Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Droit en commun, scientifique, maths pour tout. Les ensembles N, Z, D, et Q et R. Correction des exercices 60, 61, 62, page 43. Exercice 60, voilà, 61 et 62. Pour l'exercice 60, soit N un antinaturel. Montrez que A égale à 10 puissance n plus 1 moins 10 puissance n est divisible par 9. Donc, on commence par A. Donc, A égale à 10 puissance n plus 1 moins 10 puissance n est divisible par 9. Donc, A, c'est quoi A? C'est facile, on va décomposer la première puissance en deux puissances. Donc, 10 puissance n plus 1, c'est 10 puissance n fois 10 puissance 1. 10 puissance 1, c'est 10, parce que n plus 1, c'est 10. Donc, si on a deux puissances qui ont même base, on fait la somme de leurs exposants. Ah, voilà, ici on a 1, ici n, n plus 1. Moins, ici on va écrire 10 puissance n, on va multiplier par 1. Donc, c'est 10 puissance n. Pourquoi? Pour factoriser, donc on a 10 puissance n ici, voilà, et ici 10 puissance n. On factorise par 10 puissance n, il reste 10 moins 1. Et 10 moins 1, c'est quoi? C'est 9. Donc voilà, c'est 9, fois 10 puissance n. Donc on peut l'écrire 9k, avec k, c'est 10 puissance n. Donc a est divisible par 9. On a répondu à la question. On passe à la deuxième question pour B. On doit montrer que B est divisible par 7. Donc, on a B égale 5 fois 2 puissance n plus 1 moins 3 fois 2 puissance n. Voilà. On va faire la même chose. Donc, c'est quoi 2 puissance n plus 1? C'est 2 puissance n fois 2 puissance, fois 2 puissance 1. C'est 2. Donc, voilà 2 puissance n. Voilà. Ici 2 puissance n, donc on va factoriser par 2 puissance n, 2 puissance n facteur, 5 fois 2 c'est quoi? C'est 10, et ici le reste moins 3, et 10 moins 3 c'est 7, donc 7 facteur fois 2 puissance n, donc on peut l'écrire 7 h, avec h 2 puissance n, puisque ce nombre a, b, se crée 7 h, donc b est divisible par 7. On passe à la dernière question pour cet exercice. On montre que C égale à 9 puissance n moins 4 puissance n, le tout sur 3 puissance n moins 2 puissance n est un antinaturel pour tout n supérieur ou égal à 1. Donc, c'est facile. Donc, c'est quoi? Regarde ici. Ici, on a 3. Ici, on a 9. Ici, on a 2, ici, on a 4. Donc, il suffit d'observer que c'est 9. C'est quoi 9? C'est 3 fois 3, c'est-à-dire 3 au carré. Donc, voilà, 3 au carré. Donc, on aura ici 3, ici 3. Donc, 3 au carré, le tout puissance n. Le tout, parce qu'on a remplacé 9 par quoi? Par 3 au carré. On a 9 puissance n, donc 3 au carré, le tout puissance n. On fait la même chose pour 4. C'est quoi 4? C'est 2 puissance 2. 2 fois 2, c'est 4. Le tout puissance n. Donc, c'est quoi ceci? C'est 2 fois n. 2 fois n, c'est n fois 2. C'est la même chose. 3 fois 4, fois n, c'est 4 fois 2, fois 3. Donc, on va changer ici. On a 2 fois n. Et ici, 2 fois n. On va écrire n fois 2. Ou bien, c'est 3 puissance n, le tout puissance 2. Et ici, 2 puissance n, le tout puissance 3. Pour obtenir l'identité remarquable, la troisième identité remarquable, a carré moins b carré égale a moins b plus a facteur de a plus b. A moins b facteur de a plus b. Nous voilà. Et maintenant, on va simplifier par ceci. 3 puissance n moins 2 puissance n. Voilà. On simplifie. Il reste quoi? Il reste 3 puissance n plus 2 puissance n. Puisque n est un antinaturel, donc 3 puissance n plus 2 puissance n est un antinaturel.
Donc c'est fini. Donc C est un entier naturel. On passe à l'exercice 61. Pour l'exercice 61, donc on a A égale 5 plus 5 au carré plus 5 au cube plus 5 puissance 4 plus 5 puissance 5 plus 5 puissance 6 jusqu'à 5 puissance 2021. C'est une somme des puissances de 5. Donc, montrons que 4A plus 5 est un carré parfait. C'est quoi un carré parfait? C'est par exemple 16. 16, c'est un carré parfait parce que 16 égale 4 au carré. 81 est un carré parfait parce que 81 égale 9 au carré. Donc, il faut trouver que ceci, ce 4K plus 5, égale le carré d'un entier naturel. Ça y est? Donc, regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a. Donc, on a A, la voilà. On a besoin de 4A. Et c'est quoi 4? 4, c'est 5 moins 1. C'est 5 moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier A par 5. Et on va retrancher A. Donc, 5A moins A, c'est quoi? 5A moins A, c'est 4A. Donc, on trouve A 4A. Et après, on ajoute 5. Ça y est, on va faire ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va multiplier A par 5. Et on retranche A pour obtenir 5A moins A. Ça y est. Donc, on va multiplier par 5. Première fois, on va multiplier A par 5. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? A fois 5. 5 fois A égale 5 fois 5. La voilà. 5 fois 5 au carré, la voilà, plus 5 fois 5 au cube, plus 5 fois 5 puissance 4, plus 5 fois 5 puissance 5, etc. jusqu'à 5 fois 5 puissance 2020. On a ici 2021. Donc 2020 précède 2021. Donc, plus 5 fois 5 puissance 2021. Ça y est, on a multiplié par 5. Maintenant, on va simplifier. Donc 5 fois A, c'est quoi? C'est 5A. Et bien simplifié. Et 5 fois 5. 5 fois 5, c'est quoi? 5 au carré. Et 5 fois 5 au carré, c'est 5 au cube. Et 5 fois 5 au puissance 3, c'est 5 puissance 4. Et ici, 5 fois 5 puissance 4, c'est 5 puissance 5, etc., etc. Ici, 5 fois 5 puissance 2020, c'est 5 puissance 2021. Et 5 fois 5 puissance 2021, c'est 5 puissance 2022. Ça y est. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retrancher de 5A, on va retrancher A. On va calculer 5A moins A. Ça y est. C'est quoi 5A moins A? On va remplacer 5A par sa valeur. La voilà. On a déjà calculé la voilà. Moins. Moins A, la voilà. La voilà. Ça y est? Si j'enlève, ou bien je supprime mes parenthèses, on a 6 moins. Donc, tout ça devient négatif. Donc, on obtient moins 5, moins 5 au carré, etc. Hein? Moins 5 au cube, moins 5 puissance 4, moins, 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 jusqu'à moins. 5 puissance 2021. Regardez bien. Donc, il reste, ici, il y a moins 5. Ici, il n'y a pas de moins 5. On commence par 5 au carré. Donc, 5 carré moins 5 carré, c'est 0. 5 au cube moins 5 au cube. Si vous voulez, je peux. Attendez pour bien comprendre. Copier. Mettre ici. Donc, c'est quoi 5A moins A? C'est 4A. Voilà, on a trouvé 4A. Qu'on cherche? On cherche 4A, donc voilà. Maintenant, on va supprimer les parenthèses. Si les parenthèses. Ah, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ceci. On va dire couper. Et on va en placer ici. Donc, les parenthèses.
sont précédés par plus, donc rien ne change. Ici, il y a un virus. Oh, voilà, c'est moi. C'est un virus. Je retourne. Voilà, c'est comme maintenant. Donc, puisqu'il y a un virus moins, donc tout ça va changer. On change les signes des termes qui sont à l'intérieur des parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va copier ceci. Couper. On va écrire ici. Voilà. Donc, puisqu'on a laissé 5, moins, donc 5 devient moins 5. Et 5 plus 5 carré, il devient quoi? Moins 5 carré. Et plus 5 au cube, il devient... Alors, attention, 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 attention. Moins 5 au cube. Et plus 5 puissance 4, il devient moins 5 puissance 4. Ici, moins... Ici, d'autres termes. Ici, moins. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 5 carré, moins 5 carré, 0. 5 au cube, moins 5 au cube, 0. 5 puissance 4, moins 5 puissance 4, 0. Et ici, moins, 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 jusqu'à, on en reste, jusqu'à ceci. Donc, 5 puissance 2021, là, voilà, moins 5 puissance 2021, c'est 0. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester ici moins 5. Et il va rester ici. Ici, ici. Donc voilà. 5 puissance 2000. Donc, les autres vont disparaître. Il reste seulement. Donc, 4A égale. Il reste moins 5. Donc voilà. Il reste 2000. 5 puissance 2022, ça y est? Ou bien 2022 moins 5, c'est la même chose. Là, il y a 2022, 5 de puissance 2022 moins 5, c'est la même chose. A plus B égale à B plus A. Donc, qu'est-ce que c'est ce cirque? Donc, ici, c'est 4. Ah, regardez. On va. Maintenant, on va ajouter 5. On va ajouter 5. Ici, on a 4A. Donc, on a besoin d'ajouter 5. On va ajouter 5. Qu'est-ce que se passe? Donc, là, voilà A. 4A plus 5. Là, voilà 5. Donc, moins 5 plus 5, ou bien moins 5 plus 5, la même chose. C'est 0. La somme de deux nombres opposés, c'est nul. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? 5 puissance 2022. Là, voilà. 5 puissance 2022. Et c'est quoi 5 puissance 2022? C'est 5 puissance 1011, le tout, puissance 2. On a quoi 3, ou bien puissance 10 puissance. On fait le produit. 2 fois 1011, c'est 2022. Ça y est? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'on a trouvé que 4, d'abord, 4A. 4A. 4a plus 5 égale le carré d'un entier naturel. Égale le carré d'un entier naturel. Donc, 4k plus 5 est un carré parfait. On a répondu à la question. On passe à l'exercice 62. Donc, pour cet exercice, regardez bien. Déterminer les nombres réels x, y et z. Donc, on a trois nombres réels à déterminer. Vérifions. X carré sur 4030 plus Y carré sur 4032 plus Z carré sur 4034 plus 3024 égale à X plus Y plus Z. Ça y est. Donc, il faut, ici, on a trois inconnus. X, Y et Z. Il faut trouver quelque chose. Pour trouver x et y et z, qu'est-ce qu'il faut trouver? Il faut trouver une solution. Il faut trouver une méthode pour résoudre cette équation. Qu'est-ce qu'il faut penser? Puisqu'on a ici le carré, on a x, y, z. Donc, je vais regarder. Si j'ai x plus y.
Le tout au carré, c'est quoi? C'est x carré plus x plus 2, par exemple, x plus 1, le tout au carré, ou bien x plus 2, non, x plus, ou bien x plus 3, par exemple. Le tout au carré, c'est quoi? C'est x carré plus 2 fois x fois 3, plus 3 au carré. Donc, x carré plus 6x plus 9, yak. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a x carré ou on a 6x. Donc, on va utiliser cette méthode-là. On va fabriquer, donc, on doit fabriquer des identités remarquables par ces x carré et par ces x qui sont ici. Donc, on a x carré, on a x, par 6x. Donc, on a x et on a x carré. Donc, on va les fabriquer. Comment on va faire? Comment? Regardez bien. On a ceci. La première chose qu'on va faire, on va réduire ceci. Donc, on a ici 4030. C'est quoi 4030? C'est 2 fois 2015. Et 4032, c'est quoi? C'est 2 fois 2016. Et 4034, c'est 2 fois 2017. Ici, on va multiplier par 2 et diviser par 2. Comme si on fait le même dénominateur. Mais ce n'est pas ça. Donc, égal. Ici, on va faire la même chose. On multiplie tout ça par 2 et on divise par 2. Ça y est. Donc, on obtient quoi? On a ce nombre-là, x carré sur 2 fois, y carré sur 2 fois, z carré sur 2 fois, plus ce nombre-là sur 2, et plus ce nombre-là sur 2. Donc, on va simplifier par 2, ou bien on va multiplier tout par 2. On va multiplier ceci, premier membre par 2, et deuxième membre par 2. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va trouver? X carré sur 2015, plus y carré sur 2016, plus z carré sur 2017, plus 6048, plus 2 fois x plus y plus z. Donc, on a changé un petit peu ceci. Là, voilà l'équation. Il est changé. Maintenant, on va obtenir 2x. Regardez, on va obtenir 2x. Qu'on a 2x, 2y. Donc, on va, les choses, bien, commencent d'apparaître. Regardez ici. C'est quoi 6048? 6048, c'est la somme des six dénominateurs. C'est 2015 plus 2016 plus 2017. Regardez. 2015 plus 2016 plus 2017. Ici, on a 7 plus 6, c'est 13. Et 13 plus 5, c'est 18. Voilà 8. Voilà 8. Donc, 1 plus 1 plus 1, c'est 3. Et 3 plus 1, c'est 4. Voilà 4. 0 plus 0 plus 0, c'est 0. Voilà 0. 2 plus 2 plus 2, c'est 6. Donc, ceci égal à 6048. Ça y est. Et si on développe 2x plus 2y plus 2z, ça y est. Maintenant, on va faire passer ceci au premier membre. Donc, il reste ici 0. Voilà. Donc, on va chercher les choses, on va faire les choses comme il faut. Donc, il y a ici x carré sur 2015. On va prendre 2015 et le mettre à côté de ceci. On va mettre, ici on a x, on va mettre 2x à côté de ceci. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? X carré sur 2015 moins 2x, voilà. Plus 2015, voilà 2015. Ça y est, donc on aura ceci. Donc, maintenant on va faire la même chose. Y carré sur 2016 moins 2y. Et on passe au deuxième nombre, c'est 2016, voilà, plus 2016. On passe au z. Z carré sur 2017 moins 2z. Parce que lorsqu'on fait passer plus de z de l'autre côté, il devient moins de z. Plus 2017. Voilà 2017. Voilà. Donc on a placé les choses comme il faut. Maintenant, regardez. On va faire même dénominateur pour ceci. C'est le même dénominateur, c'est 2015. Donc il faut multiplier le numérateur ici, c'est 2x sur 1.
Donc 2x multiplié par 2015 et 1 multiplié par 2015. Voilà. 2 fois x, c'est 2x multiplié par 2015. Ça y est? Et 2015 sur 1. On va multiplier 2015 par 2015. 2015 fois 2015, c'est quoi? C'est 2015 au carré. Sur 2015. Regardez qu'est-ce qu'on obtient. On a obtenu ceci. On va faire la même chose pour les autres. Donc, regardez. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient x carré plus 2 fois x fois 2015. Plus 2015 au carré. Donc, a au carré moins 2 fois a fois b. Plus b au carré. Donc, on obtient une identité remarquable. A moins b de tout carré. Sur 2015. On fait la même chose ici. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? X moins 2015 de tout au carré. De tout sur 2015. Et ici, on obtient la même chose. Y moins 2016 de tout au carré sur 2016. Z moins 2017 de tout au carré sur 2017. Égal à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu la somme de trois nombres qui sont positifs. Parce qu'on a ici carré. Et c'est un nombre positif. Positif, 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 positif. Donc, ça est positif, ça est positif, ça est positif, égal à 0. Puisqu'ils sont positifs, la somme des nombres positifs égale à 0. Donc, on n'a pas plusieurs solutions. Donc, le premier égale à 0, et le deuxième égale à 0, et le troisième égale à 0. Si la somme de trois nombres réels positifs égale à 0, alors, ces trois nombres réels sont nuls. Donc, donc, le premier nombre, le voilà égal à 0. Wa et wa. Tani égal à 0. Wa tête égal à 0. Donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? Donc, c'est quoi ça? Donc, 2015, si on peut passer 0 fois 2015, c'est 0. Donc, il reste ici. Donc, x carré égal à 0, équivalent à dire que x égale à 0. Donc, x moins 2015 égale à 0, y moins 2016 égale à 0, et z moins 2017 égale à 0. Donc, x égale quoi? 2000, on peut passer 2015, moins 2015, il devient plus 2015. Ou bien, si la différence de deux nombres égale à 0, donc ces deux nombres sont égaux. On fait la même chose ici, donc y égale 2016, et z égale 2017. Ça y est, on a répondu à la question, là voilà. La réponse. Donc, maintenant, on va faire une petite vérification. Donc, x carré sur 4030 plus y carré sur 4032 plus z carré sur 4032 plus 3024. On remplace x par quoi? Par 2015. Et y par 2016. Et z par 2017. Le voilà. On calcule, on fait même dénominateur, et donc on simplifie en premier temps. On va simplifier parce que 2015, on a ici 2 fois 2015. On simplifie par 2015, il reste 2015 sur 2. On fait la même chose pour les autres, on fait ces mêmes dénominateurs. Donc, ce n'est pas la peine de faire dénominateur, on calcule ceci. Ceci nous donne 6048 sur 2. Si je fais la division, je trouve 3024 plus 3024, c'est 6048. Et si je fais la somme x plus y, je trouve 6048. Donc, ils sont égaux. Donc, on a vérifié. Donc, c'est vrai, c'est juste. Shukran ala mouchahada. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues. Asikata akoukrissam. ولا أصدقاء بصفة عامة لسعم الفائدة أسألكم دعاء الوالدية وشكرا